Alors Zazie nous a fait le plaisir de rester un petit peu pendant ce journal. Vous avez chanté Rue de la Paix, ici c'est le prix Nobel de la Paix, une petite réaction. Là c'est beaucoup plus sérieux, hein, mais c'est bien, c'est évidemment super qu'il l'ait eu. On dit que la Chine s'éveille, mais un pays ne peut pas s'éveiller s'il n'y a pas un peu d'humanité qui s'éveille en même temps. Et c'est vrai que les Chinois sont assez raffinés aussi. Moi je participe avec Amnesty International, je peux vous dire que c'est au niveau de torture, ils sont assez bien aussi, quoi. Donc je pense que c'est très très symbolique de faire ça, et c'est aussi une manière de dire aux Chinois le prix Nobel reste quand même un peu dans une espèce d'indépendance, Dieu merci. Le seul souci, c'est qu'il faudrait, faudrait qu'il sorte maintenant, voilà, parce que c'est comme Aung San Suu Kyi qui a eu le prix Nobel de la paix, et ben, elle est toujours derrière les barreaux, elle. Hein. Donc, exact. Voilà, mais merci Zazie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors les grands argentiers du monde vont